C'est frappé au premier poteau. Willy Meyers qui relâche et c'est le but. C'est le but signé Mehdi Guezoui, me semble-t-il. À ces joueurs, parce qu'on s'aperçoit que dans cette équipe, pas mal de joueurs étaient déjà là en CFA. Exactement. La confiance. Oh, attention, ce déboulé, ce centre, il est parfait. Et l'ouverture du score ici au stade du Vauchel de la SMB. Oh, le coup parfaitement joué, on l'avait dit. Il fallait se méfier des contre-attaques. Belfortaine. Et attention, face avec Camara. Deuxième chance pour Camara. La parade superbe de Mathieu Pichot. De Marie pour offrir à Echergui, centre d'Echergui. Camara, Nomen Djanari, la barre. La barre pour la Laina, Nomen Djanari. Avec Bramia qui va tenter la frappe juste au-dessus de la cage de Sauvage. Miri, c'est un peu long, mais ça peut profiter au deuxième. La remise avec cette tête qui passe à quelques centimètres du poteau gauche. Précédemment dans une équipe roumaine de Petrolil Ploresti. Voilà, oh là là, est-ce qu'il y a pénalty? Est-ce qu'il est pénalty. Intervention de l'arbitre et pénalty. Oh, ballon contré. Mais il récupère le ballon en deux temps, il va mettre une frappe côté droit, le but! Oh, il est bon celui-là! Il est magnifique, il est signé Anthony Sanchez, qui n'a pas laissé la seule chance au gardien, Novaes. Ouais, faute de Gavory, il n'y a pas une volonté de faire mal à l'adversaire, c'est évident, il jouait le ballon, il n'est pas si flagrant que ça. Voilà. Ah, carrément! Le rouge. Hein. Gavory qui est dépité. Avec une remise côté gauche, parce que la frappe, elle est tendue sur le poteau. Oh, elle était terrible cette frappe, bien de temps. Le but inscrit par les Palois, une première frappe signée côté droit de Sony. Et puis le but a été inscrit dans le deuxième temps. Peut-être une combinaison annoncée. Attention, c'est au deuxième poteau. Bien tiré. Alexis Arojo, le plus petit joueur sur le terrain. Souci quoi. Bon, il y a un objectif, vous pouvez nous le confier, il y a un objectif, ouais. Attention, putain, ici avec vous, à nouveau face à Jean-Christophe Bouel, et c'est l'ouverture du score. Ouverture du score de la part de Bourreau. C'est renvoyé, c'est pas terminé, Mauricio pour Teddy Thomas, Mauricio dans la surface, Mauricio la frappe, le but. L'ouverture du score de Boulogne-sur-Mer, ici inscrit par Tony Mauricio, pardon, c'est son quatrième but cette saison. Passe. Des passes pourtant pas excessivement difficiles. Attention, Mayoulou dans la surface, en retrait vers Louisère, à l'entrée de la surface, encore Louisère. Un partout. Un but partout entre Avranches et Boulogne. Égalisation de Dylan Louisère. Sacco, mais il y a le bon retour de Clément Michel qui peut servir. Oh, sur une passe appuyée, Anthony Boeuf qui serve à le pied. Attention, le chemin en difficulté, deuxième but. Le but de Grégory Thiel pour Boulogne sur cette mésentente. Et cette sortie hasardeuse, balle au pied d'Anthony Boeuf.
Attention à ce contre avec Tony Mauricio, il va accélérer, il élimine Michel. Tony Mauricio à l'entrée de la surface, Mauricio toujours sur son pied gauche. 3 buts à 1 pour Boulogne, cette fois la Mésélite. Ici à Avranches, Boulogne fait le break grâce à Tony Mauricio. Thank you.